Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est le samedi 23 décembre et je pars faire mes cheveux. Quand je reviens, on parle, ok? Je pars au niveau de Hair by Odette, voilà. Je vais faire un tissage là et tout. So, see ya! Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Désolée, hier, j'ai pas pu vous montrer tout ce que j'ai eu à faire. J'étais tellement fatiguée quand je suis rentrée. Je suis rentrée à la maison un peu tard. Il faut dire que le matin, je suis passée faire mes cheveux chez Hair by Odette et c'était super bien. Franchement, j'aime trop mes cheveux. Je trouve que le tissage, il me va à ravir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Et juste après, je suis allée faire les courses avec mes petites sœurs. Nous sommes allés au niveau des magasins, de la place et tout, pour pouvoir trouver des vêtements de Noël à la dernière minute. Tenez-vous bien. Et juste après ça, je suis allée me faire les ongles chez Daka Beauty Nails. Et franchement, je les adore. C'est tout simplement magnifique. Là, je suis un peu pressée. Je vais essayer de vous faire un léger unboxing pour vous montrer ce que j'ai acheté. Et on va aller à l'église, ok? D'abord, j'ai eu ces boucles d'oreilles là de chez Zara au niveau de, comment ça s'appelle, de Uno. Et franchement, je les aime trop. Je trouve que ça fait trop. Ça ressemble un peu au dupe des boucles d'oreilles de Bottega. Voilà. Je l'ai eu à 3000 francs. Alors. J'ai eu cette robe-là, portefeuille, que je vais mettre tout à l'heure. Vous aurez l'occasion de bien la voir. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Voilà. Je la mets tout de suite. Vous allez la voir. Je l'ai eu à 18 000. Voilà. La dernière des choses de chez comment ça s'appelle, de chez Uno, c'est ce top là de Zara. Franchement, je le trouve trop mignon. Je l'ai eu à 7000 francs. Voilà. J'ai aussi fait un peu de shopping en ligne. J'ai acheté cette robe là au niveau de Aliwa. C'est sur Instagram, un magasin sur Instagram à 15 000. C'est une robe assez simple. Voilà, avec le dos ouvert. Quand je vais la porter, vous aurez l'occasion de mieux la voir. Ok, so les amis, let's get ready. Je suis super en retard, super pressée. Il faut qu'on parte là. Hello peeps, c'est le soir et là, je viens juste de refresh mon make-up. J'ai essayé de mettre un peu plus de couleurs, mettre des fards à paupières et tout ça. Et là, je vais m'habiller. Je vous montre ce que j'ai pris. Et puis, on part au Yoka Lunch. Voilà, ils ont un concept là-bas, genre pour les fêtes et tout ça. Je pars avec ma copine et ma sœur. So, les amis, let's get ready, ok? You understand how I like it. Can you blow my
Et c'est dimanche, donc je vais à l'église. Let's go together, ok? J'ai mis cette robe-là, qui est thriftée d'ailleurs, les amis, je vous dis. Elle est thriftée, ma robe. Ce sac et ces chaussures-là. I don't know if you can see my outfit, but anyhow, let's go to church, okay? J'espère que vous allez bien. C'est la nouvelle année. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. On va essayer de rattraper tout ça. Mais d'abord, aujourd'hui, c'est le samedi 19 janvier. Je pense bien. Samedi 19 ou 20 janvier, un truc comme ça. Là, on va faire les courses. Donc, je vous prends avec moi. Quand on va revenir, on va essayer de discuter. Et je vais essayer de vous dire pourquoi j'étais MIA, basically. Anyway, anyhow, let's go out, ok? Hello papi, mais qui passe? J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais c'est ta rêve. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Ils vont faire plus tard. Mais tu pourrais pas pécher, mais c'est pas un délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, tja, tja. Y'a pas moyen, tja, tja. J'suis pas ta gata, tja, tja. J'suis en gata, na baby, tu te dis. Oh, tja, tja. Y'a pas moyen, tja, tja. J'suis pas ta gata, tja, tja. J'suis en gata, na baby, tu te dis. Oh, tja, tja. Y'a pas moyen, tja, tja. J'suis pas ta gata, tja, tja. Hello, beautiful people. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, allons à l'église, ok? Hello beautiful people, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est le samedi 27 janvier. Oui, je sais que j'ai été super émaillée. C'est parce que j'avais perdu la voix, les amis. J'étais super grippée, je me sentais pas bien. Et là, je suis un peu grippée quand même, mais bon, ça va mieux. Ma voix est en train de revenir et tout. Et aujourd'hui, j'ai un dîner de gala, voilà, pour le boulot. Du coup, je voudrais me préparer. Je compte aller au salon pour me laver les cheveux, les boucler et tout ça. Parce que ces mèches-là, au fait, à la base, c'est des mèches avec des boucles naturelles. Mais j'ai l'impression que je suis en train de les perdre. Et ça fait un mois quand même. Like, je voulais défaire les cheveux, mais j'ai pas le temps de faire tout ça. Du coup, je vais aller les laver et les boucler. Et j'ai changé la couleur de mes ongles. Ce sont mes ongles naturels avec un gainage là-dessus. Du coup, j'ai juste changé la couleur. J'ai mis un vernis. Permanent, voilà. Je les aime pas trop, mais bon, je trouve que ça fait quand même l'affaire, ça va aller. Et yeah, ça fait longtemps. I miss you guys, mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour, ok? Le mois de décembre, janvier, les deux mois là, c'est très compliqué pour les banquiers parce que d'abord en décembre on fait la clôture. Et vraiment, c'est compliqué, les amis. C'était, I was missing in action, je sais, mais je vais me rattraper et je compte prendre des vacances très bientôt. Donc, les amis, vous aurez du contenu. Ne vous inquiétez même pas. Vous aurez tout le contenu nécessaire. Et donc, les amis, là, je pense qu'il est temps d'aller au salon, se faire les cheveux. Au retour, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un unboxing. Parce que la semaine passée, j'ai mal. Sorry. La semaine passée, je suis allée faire des courses au niveau de Exclusif. J'ai fait un gros shopping. Mais je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté. Et il y a des éléments dedans qui sont super intéressants que j'aimerais partager avec vous. Donc, je vais partager ça avec vous. Je vais faire un DIY d'extension de cils aussi. Après, je vais faire un peu de skincare parce que, comme vous pouvez voir, ce n'est pas trop la fête là. Voilà. Et me reposer un petit peu si le temps le permet. Et ensuite, nous allons aller pour le dîner de gala. Donc, les amis, let's go. OK? Yeah.
Hey friends, je viens juste d'arriver à la maison, mais je sais pas, ça me donne pas la vibe initiale au fait. Bon, je vais pas mentir, j'aime pas trop. Je suis mitigée. Et ce qui m'énerve le plus au fait, c'est les baby-hairs qu'elles ont mis là. Franchement, I'm like, j'en avais pas besoin au fait. Allons laver le visage et ensuite on va faire l'extension de cils. Alors les amis, j'aurais besoin de ces cils individuels comme ça, de la colle, quelque chose où je pourrais verser la colle pour l'utiliser, et puis une Nous pince. avons aussi besoin de mon eau micellaire pour nettoyer mes yeux encore. Et puis, bien sûr, des disques de coton. Les deux sont de biphase, comme vous pouvez le voir. Et un truc super important, c'est d'avoir un miroir qui zoome. Je sais pas comment l'appeler, mais ça rapproche au fait ce miroir-là, il zoome. Donc, je pourrais bien voir mon œil. Voilà. Sachez utiliser cette colle-là parce qu'elle est un peu dangereuse. Donc, si vous ne savez pas l'utiliser, je ne vous la recommande pas du tout, les amis. Ok. Après, n'allez pas dire que c'est Maya qui vous a recommandé ça. Alors, voilà ce que je fais. Je vais juste prendre ça. Comme ça. Vous voyez. Going to dip it in here. Like that. J'ai pas eu le temps de vous montrer mon look, mais là, après avoir dansé et transpiré plusieurs fois, je suis finalement venue aux toilettes. Donc du coup, c'est ce qui reste de mon make-up, comme vous pouvez le voir. Je sais même pas si vous m'entendez, by the way. Ça, c'est ma robe et j'ai ce sac là. Voilà. Hello beautiful people, hello beautiful people, hello beautiful people, hello beautiful people. Ma voix est en train de revenir, du coup, j'en profite mais un max, ok. Excusez-moi, je suis, comment dire ça, je suis dans l'émotion, ouais, c'est ça. So, yesterday, les amis, j'ai pas eu le temps de vous montrer mon outfit, j'ai pas eu le temps de vous montrer mon make-up, j'ai pas eu le temps de vous montrer quoi que ce soit parce que I was running late. Et franchement, sur 2024, je pense que ça doit être un des leviers sur lesquels je dois travailler. Une meilleure gestion de mon temps, les amis, c'est bizarre. C'est bizarre, ok? Donc, I was running late. Il fallait que je parte. Je voulais pas être super, super, super en retard. Parce que c'était jusqu'aux Almadies. Du coup, il fallait que je fasse vite. Mais je pense que je vous ai montré un peu mon look et tout ça. Et voilà, ça s'est très bien passé. C'était une soirée de gala. Et voilà, aujourd'hui, c'est le dimanche. Je suis allée à l'église. Je suis venue.
Est-ce que je me suis couchée? En tout cas, je me suis couchée sur le lit, même si je n'ai pas pu dormir. J'ai parlé avec ma famille, mes amis. Et je voulais vous faire le unboxing que je devais faire depuis Mathusalem. Les amis, depuis Mathusalem, que je devais faire cet unboxing-là, vous montrer ce que j'ai acheté au niveau de exclusif. Voilà. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que déjà j'ai mangé peut-être la moitié de ce que j'ai acheté ou j'ai déjà commencé à utiliser et tout ça pour ce qui n'est pas mangeable. Mais vraiment, les items que j'ai le plus apprécié, au fait, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et puis, qu'est-ce que je vais faire encore? Voilà, Yves Rocher est en promotion et en solde. Pour ceux qui sont intéressés, qui achètent peut-être des parfums, des produits de Yves Rocher en tout cas, n'hésitez pas à checker les Yves Rocher que vous connaissez, que ce soit celui de Casino Sam, celui au point E ou celui de Si Plaza, voilà. Ils sont tous en promotion, donc n'hésitez pas à les checker. J'ai une amie qui m'en a parlé, donc du coup, on doit passer là-bas tout à l'heure. On va voir ce qu'ils ont à offrir et tout ça. Et je vais partager avec vous. Vous savez que je partage toujours les bons plans sur cette chaîne. Vous avez toujours droit aux bons plans avec Maya. OK? Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au niveau de exclusif. Finally, après 10 000 ans. Voilà. So, guys, let's do this. OK? Alors, la première des choses, c'est cette huile de corps-là, les amis. Si vous regardez bien, il ressemble à un dupe de l'huile de corps de Nivea, mais à base de cocoa butter. Il y avait celui à base de cocoa butter, mais je voulais pas, au fait, j'aime pas trop l'odeur de cocoa butter, au fait. Et donc, du coup, j'ai vu celui-là, mais à base de vitamine C. Et puis, il sent super bon. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et je mets ma crème de corps. Et après avoir appliqué la crème de corps, j'applique celui-là. Et franchement, so far, so good. I really like it et je l'ai eu à 1850. Voilà. J'ai aussi eu un diffuseur. Vous savez que j'adore les senteurs, j'adore les parfums. Et j'ai pu avoir ce diffuseur-là à 2220, à 2250. Et franchement, j'ai gardé ça comme ça pour faire le unboxing avec vous. Mais j'ai pu le sentir et je me suis dit, mais pour 2250, ça sent trop luxe au fait. C'est comme ça que la bouteille se présente. Les diffuseurs. Voilà. Si vous voulez aussi, je pense que c'est un pot, vous pouvez mettre un truc pour pouvoir spray dans la chambre. Mais moi, je préfère au fait placer les tiges à l'intérieur et poser au fait. Je trouve ça super, super mignon. La troisième chose, c'est ce truc-là, cette gourde-là. Franchement, les amis, I really, really love this. Like, I'm so happy. C'est un dupe de... J'ai oublié le nom de la marque là encore. Vous avez vu, il y a une marque de gourde au fait américaine qui est actuellement sensationnelle sur les réseaux sociaux, qui fait vraiment couler beaucoup d'encre et de salive. Et j'ai voulu essayer un peu ce truc-là, mais sans avoir payé le prix. Voilà. Et donc du coup, j'ai eu ce dupe-là au niveau d'exclusif à 7 700. Voilà. Donc, quand vous ouvrez, j'ai déjà ouvert plusieurs fois, j'ai même fait des photos avec. Mais je voulais vous montrer, je voulais faire le unboxing avec vous. Alors, il est comme ça, c'est comme ça qu'il se présente. J'ai eu même beaucoup de questions déjà sur Instagram par rapport à où est-ce que je l'ai acheté et tout. Donc, je voulais, écoute, faire un unboxing pour vous. Voilà, donc, si vous l'ouvrez, il est comme ça, voici l'intérieur. Il peut garder et le chaud et le froid. Et vous avez une paille qui vient avec. Voilà. Et vous l'ouvrez comme ça. Vous mettez la paille. Really love it, guys. I really, really love it. Franchement, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire un unboxing pour vraiment vous montrer ce truc-là. I am happy. Really, to have this, I am happy. OK? Donc, je vous montre la dernière des choses pour laquelle je voulais coûte que coûte faire un unboxing. Alors, la dernière des choses, c'est ça. C'est ce carton-là, comme vous pouvez le voir. Un gros carton comme ça. Et, les amis, regardez. Tada! Finalement, je me suis prise un air fryer, une friteuse à air, et je suis trop contente. Je suis trop trop contente pour faire des recettes de poulet
et des frites comme il se doit. Finally. Et en plus, il est sexy, mon air fryer. C'est d'une marque qui s'appelle Decalila. Voilà. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vous montre. Là, vous avez. Attendez, je vous montre. Vous avez les différentes températures en fait, auxquelles vous pouvez cuire les différents éléments qui sont mentionnés là. Je l'ai pris à 30 050. Voilà, je l'ai eu à 30 050. Et vous pouvez l'ouvrir comme ça. I can't wait. Les amis, je suis trop pressée pour faire des petits plats. Ici, c'est la grille, même si l'intérieur est adhésif. Hein. Voilà. Et vous avez la grille comme ça. Vous pouvez placer à l'intérieur. Voilà, vous pouvez placer à l'intérieur comme ça. Hey people, là, on va juste aller à Yves Rocher pour regarder, comme je vous ai dit là, par rapport à la promotion et tout ça. Et je voulais profiter en même temps pour clôturer ce vlog-là, clôturer ce vlog qui a fait 1 million d'années. Voilà, j'ai commencé le vlog le 23, le 22 ou le 23 décembre 2023. Aujourd'hui, c'est le 28 janvier 2024. Voilà, donc il y a vraiment longtemps, longtemps que j'ai commencé ce vlog-là. Et je pense qu'il est temps de clôturer. J'espère que vous l'aurez apprécié. Voilà, et si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo, de la partager et de commenter. Donc, on va se dire à la prochaine, n'est-ce pas? En temps, je vais vous laisser avec les images. Ici Plaza, voilà, on part à Ici Plaza pour voir la promotion de Yves Rocher. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine, n'est-ce pas? Les amis, restez connectés. Comme je vous ai dit là, je suis revenue finalement. Voilà, ok? So, see you. Bye bye, take care. I wanna be in your life until the night is over.